La FENAPAV a prépare trois packs, le pack sur la gestion axée sur les résultats de développement, le pack sur la communication et puis le pack sur le plan de formation. Le pack sur la GRD a pris en compte et les producteurs et les techniciens, un plus grand nombre, au total une cinquantaine de participants ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques, sur la gestion axée sur les résultats de développement. Le pack sur la communication, c'est principalement les techniciens. La FENAPAV a préparé trois packs, le pack sur la GRD, la gestion axée sur les résultats de développement, le pack sur la communication et puis le pack sur le plan de formation. Le plan de formation, par exemple, nous a permis d'avoir un plan de renforcement de capacité au niveau des agents techniques du personnel de la FENAPAV, ce qui n'existait pas avant. Grâce à ce plan de formation réalisé, on a pu mettre en place des renforcements de capacité au niveau du personnel. Certaines formations ont pu être réalisées, comme la formation sur Excel, sur PowerPoint et un certain nombre d'autres. La gestion axée sur les résultats de développement, ça a été beaucoup plus une sensibilisation pour nos producteurs qui sont des élus, qui sont nos responsables, nos patrons. Ils ont compris le sens de travailler dans l'optique d'avoir un résultat bien défini. Pas seulement il faut le faire pour le faire, mais avec un objectif bien défini. Donc cette sensibilisation a beaucoup aidé les producteurs qui ont participé, qui ont pris sur eux l'engagement d'améliorer leur manière de travailler et avec les techniciens et eux-mêmes, et de sensibiliser aussi au niveau des coopératives pour améliorer la manière de faire fonctionner les coopératives. Ça m'a permis d'améliorer ma manière de rendre le secrétariat fonctionnel, par exemple. Au niveau des formations, je peux suivre un peu certains agents techniques sur le terrain et un certain nombre d'éléments. Mais principalement, c'est la communication, la GRD, qui nous ont beaucoup aidé à améliorer notre manière de communiquer, de faire voir ma structure et de m'améliorer dans mon travail. Donc, en m'améliorant moi-même, ça me permet de faire mieux vendre ma structure. Donc, j'ai beaucoup appris avec ces différents packs. On a pu mettre un certain nombre d'outils en place, des fiches de suivi de matériel, de gestion, un certain nombre de choses pour les fournir matériels et autres. Certains pas. Au niveau des producteurs, ça ne prend pas encore. Pour ceux qui sont allés à la formation, ils ont pris un pas, mais le suivi n'a pas accompagné pour qu'on puisse voir si réellement ça a eu un impact sur eux et sur les coopératives qu'ils accompagnent. Ces deux dernières années, la campagne a été un peu difficile avec le prix qui a beaucoup basculé. Donc le plan de formation n'a pas pu être mis en place comme il se devait. Donc il y a beaucoup de formations, par exemple pour l'année dernière, qui devaient être réalisées, mais qui n'ont pas pu se faire pour ces raisons. Sur une échelle de 0 à 20, je dirais quand même que je vais mettre 16 à PAOC. Parce qu'on n'avait pas, pour la FENAPAV par exemple, le plan de formation, c'est un acquis. C'est une grande réalisation. On n'avait pas cet outil-là, cet élément. Et beaucoup de partenaires nous demandaient ça. Donc grâce à PAOC, on a pu avoir ce plan de formation-là. Ça, c'est déjà une grande réussite pour nous. Tout le monde n'a pas pu participer à la formation. C'était très limite en effectif. À la limite, c'était compliqué pour nous de choisir qui ira, qui n'ira pas. Parce que on est structuré en mode d'échelle, en région. Donc, si vous prenez un directeur au niveau régional, si le directeur n'est pas disponible, il envoie son assistant. Si l'assistant n'est pas disponible, c'est qu'il faut changer. Or, le PAC nous exige d'avoir une seule personne qui suit le processus jusqu'à la fin. Mais si celui-là n'est pas disponible pour rendre, c'est qu'il aurait reçu la formation pour lui, ça sera un acquis, mais il ne pourra pas partager avec les autres. On aurait souhaité que les formations continuent et s'ouvre à un peu plus grand nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, la FENAPAV grandit, il y a eu de nouvelles recrues. Et ceux-là n'ont pas la chance de comprendre aussi facilement que nous. Donc s'il y avait la possibilité de faire profiter un peu plus un certain nombre de personnes, ça serait bénéfique pour nous. Je prendrai sur moi la responsabilité de parler au nom de mes supérieurs et de dire merci à Inabel et au projet PAOC. On souhaite une meilleure collaboration, si possible, que PAOC nous revienne et qu'on continue toujours le chemin ensemble.